C'est parti, salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle campagne avec Alariel sur Immortal Empire. Alors, pourquoi Alariel? Je suis suisse. Merci Xéophilus pour les 500 bits. Oh, je vais baisser un poil les alertes. Donc pourquoi Alariel, pourquoi Léo Elf? Bah tout simplement parce que déjà sur Immortal Empire, j'ai jamais joué Léo Elf. Ça m'intéressait de voir le défi avec Enkarisama que j'ai pas encore trop vu. Donc voilà, j'avais envie de faire une campagne aux elfes. Alors, là où on va rajouter un petit peu de piment, hein, c'est que, alors, à nouveau, j'ai remis Tabletop Caps parce que, bon, dès que j'essaye une campagne où je l'enlève, je le regrette, donc il revient. Il revient et c'est très bien. Donc voilà, c'est le mode, ça c'est pareil que d'habitude pour Tabletop Caps. J'avais voulu essayer un mode qui permet de le configurer, mais je ne sais pas pourquoi il ne fonctionnait pas chez moi, bref. Dommage, mais peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, ça, c'est pareil que d'habitude. Sinon, les modes, c'est très similaire à d'habitude. Sauf que, on va partir sur une campagne assez dure. Même très dure. Très, très dure. Vraiment un défi. Hein. Un défi très lore-friendly, d'ailleurs, vous allez voir. Parce que j'ai installé un mode qui me permet... qui a d'ailleurs été fait par quelqu'un de la commu. Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas s'il est là sur ce stream. Mais je crois que c'est Mike Donnelly qui a fait un mode très simple. Qui permet alors déjà de passer les invasions, non pas de... La difficulté des invasions est entre non pas 100, enfin non pas 0 et 200, mais entre 100 et 400. Donc déjà ça double la taille des invasions. On va mettre le compte à rebours à 0. On va juste garder se déclenche dans la plage du compte à rebours. On va mettre tour 50 à peu près. Voilà. Entre le tour 50 et le tour 100, pas de crise ultime parce que ce mode ajoute une deuxième chose. Ceci, la fureur des dieux, qui est une invasion, tout simplement, pour les démons. C'est une invasion supplémentaire qui est ajoutée par le mode. Donc, Enkarisama. Donc voilà, c'est l'idée de cette campagne, c'est qu'on va faire la campagne d'Alariel avec un Enkari qui va être très énervé. Très très énervé. Et il va falloir essayer de survivre. Alors, 400% et Enkarisama qui débarque avec une invasion x4. Je vous laisse imaginer la taille du bousin. Raison pour laquelle on va jouer en difficulté de bataille normale. Donc déjà, voilà. Et j'ai ajouté un autre mode qui va, moi, m'ajouter un peu de facilité. C'est-à-dire que j'ai remis le mode qui supprime l'entretien supplémentaire pour les armées à chaque fois qu'on a des armées supplémentaires. Donc... les armées me coûteront un petit peu moins cher, ce sera plus facile pour moi d'avoir un peu plus d'armées, mais en face, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup d'armées à affronter avec Enkari. Je sais pas ce que ça va donner en termes d'équilibrage, en tout cas, j'ai 50 tours. On va essayer d'avoir le 50 pile poil, attention. Oh, c'est terrible. Bon, 51, c'est bon. Donc, ah mais... oh, c'est beau la technologie. Oh, voilà. Autoriser la diplomatie, ce ne sera pas nécessaire parce que de toute façon, le but de cette campagne, ce sera de détruire Enkari. Donc, je le dis dès le début, l'objectif de cette campagne, c'est de survivre et détruire Enkari et unifier Ultuan. Voilà, comme ça, avec Alariel, c'est plutôt... c'est vraiment une campagne lore friendly. Donc, Alariel, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pour rappel, elle booste les sœurs d'Avelorn. Oh, ça, c'est bien. Elle s'affaiblit, elle a toute une mécanique qui fait qu'elle s'affaiblit à fur et à mesure que le chaos se renforce et plus Ultuan en fait est contrôlé par des forces du chaos, n'est pas sous contrôle des Wolves, plus on va être dans la merde. Voilà. Donc voilà le programme pour cette petite campagne qui va être assez dure probablement. Encore les modes de garnison ou pas? Non, j'ai pas mis mode de garnison parce que avec le mode qui supprime les entretiens supplémentaires pour les armées, ça fait qu'on peut plus facilement intégrer des armées pour défendre le territoire et ça va avoir pas un effet similaire, mais ça va aider à renforcer les villes, quoi. Ça va être plus facile de faire des petites armées pour mettre dans les villes pour défendre. Raison pour laquelle je voulais mettre le mode No Supply Lines aussi. Et donc, j'ai pas mis le mode de meilleure garnison. Donc... grosso modo, nous avons 50 tours pour solidifier Ultuan. Alors le seul truc que je me demande, parce que ça, ce serait quand même très dommage que ça se fasse, mais ça, j'ai pas pu tester. Si jamais Enkari était vaincu avant l'invasion, est-ce que l'invasion pop quand même?
Je crois que par sécurité, on va laisser Enkari en vie. Je suis pas sûr. Et surtout que comme c'est un mode, c'est difficile à dire. Ce qui arrive tout le temps. Et non, ça pop pas. On ne va pas tuer Enkari avant... Bon, de toute façon, on va éviter de tuer Enkari. C'est sur les 50 premiers tours. J'espère qu'il va pas mourir. Sinon, le défi de cette campagne sera moindre. Mais voilà. Alors, on sait jamais ce qui peut se passer. En même temps, le but, c'est de pimenter un petit peu si le début de campagne est vraiment trop facile. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Elf. Donc, eh ben voilà, c'est reparti. Avalon, oui, tout ça. Alors, il y avait le truc spécial avec Alariel qui fait que lorsqu'Alariel rentre dans une ville, pendant les 10 tours qui suivent, la ville reçoit des bonus. Ce ne sont pas des bonus négligeables d'ailleurs. Plus 3 d'autorité, plus 1 d'influence par tour, plus 10 de croissance, moins 5 de corruption et chance d'augmentation des puissances de vent de magie, plus 10%. Donc, à chaque fois qu'elle rentre dans une ville, pendant 9 tours, on a ces bonus-là, ce qui fait que Alariel, quand elle se déplace, on apporte pas mal de bonus. Alors, bon, il va falloir fortifier tout ça, solidifier tout ça le plus possible. Hein. Ici à Val-de-Gaon. Oui, à l'Ariel qui peut recruter évidemment les dryades, les lémures, les omarbres. Et ça, c'est sympathique. On va commencer par faire ça. Alors, il nous faut le bâtiment de croissance immédiatement. Et pour l'instant, on va pas trop construire de trucs pour aller chercher du tier 3 alors qu'on est dans la ville principale. Par contre, je pourrais faire ceci pour avoir plus d'autorité, mais encore que je pense pas que ce soit indispensable. Par contre, ça va faire à la fois du revenu et à la fois des colifichets elfiques. Alors ça, c'est très fort parce que c'est une des raisons pour lesquelles les Welfs sont très bons avec le commerce. On commence avec une demoiselle d'honneur qui va reconstituer les troupes. Il est très bien. Perte faible, oui, mais probablement souvent la première bataille c'est. Ah oui, jamais. Voilà, influence. Yes. Alors là, voilà la mécanique d'Alariel qui est ici par rapport à Ultuan. Défenseur d'Ultuan. Donc la confiance du peuple envers Alariel est à 28%. C'est toujours mieux que Macron. Le cercle interne d'Ultuan a été brisé. Effet de la faction en cours. Relations diplomatiques moins 2 avec Léo Elf. Autorité moins 3. Coût de construction plus 18%. Revenu généré par tous les bâtiments moins 12%. C'est quand même énervé comme malus. Et donc il faut reprendre un maximum de territoire sur Ultuan pour que ça se transforme, non pas... Enfin, pour transformer les malus en bonus. Voilà. Alariel qui elle-même est un tank incroyable sur son aigle, tellement elle a des sorts de soins à l'infini. On va la buffer un petit peu avec ça au départ. On va en faire un vrai mage. Et on va aller chercher Torsaroir. Là par contre, on l'a fait. Il n'y a pas grand chose en plus. Merci Roran pour les 10 mois, Walcotti merci pour les 8 mois, Xenophilus merci pour les 500 bits, Chiron pour les 13 mois, merci beaucoup. Donc il va falloir très vite se faire le plus d'amis possible en Ultuan parce que plus Ultuan sera uni au tour 50... mieux ce sera. Alors chez les Elf, il peut y avoir des brebis galeuses qui déclarent la guerre un peu aux autres. Mais quoique, je crois que sur Warhammer 3, c'est un peu plus calmé ça par rapport au 2. Sur le 2, il y avait quelques factions qui systématiquement déclaraient un peu la guerre à tout va. Mais il me semble que c'est un petit peu calmé ça. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas les Hauts-Elfes, on a ici une demoiselle d'honneur qui sont des personnages pas exceptionnels je trouve. Bon c'est de la reconstitution de troupes donc c'est toujours bien hein, la reconstitution de troupes. Attends, on va enlever ça. C'est toujours bien la reconstitution de troupes mais en combat c'est des personnages qui ne peuvent avoir comme monture que des chevaux. Qui sont un mélange entre un archer et un...
et un anti-large, un lancier. Pas particulièrement résistant, pas particulièrement puissant. Mais on verra comment sont ses stats sur le 3. Ça, j'ai jamais trop vu. Alors, les sorts d'Avelorn, évidemment. Le plaisir immédiat. Ok, les sombres traits. Pour l'instant, ils tirent dans mes boucliers. Ce qui n'est pas pour me déplaire. On va lâcher les lémures et les dryades là-dessus. Risque d'échec, moins 100%. Rechargement de puissance, plus 160%. Oh, on peut balancer le petit soin. Alors, les dryades, par ailleurs, qui sont... plutôt bonne, hein. C'est plutôt une bonne unité de début de campagne pour tabasser comme il faut. Oh, on va la balancer, hein. Tiens, allez, prenez ça. Patrouilleur élérien, c'est de la cave légère, plutôt rapide, plutôt sympa, mais assez léger en termes de puissance. Voilà, Ariel, ça va, elle peut rester pour l'instant tranquille dans la mêlée. On va pouvoir soigner de toute façon. On va déplacer les archers qui restent encore et toujours une excellente force de frappe pour les Elfes en début de campagne. Une des meilleures unités de début de campagne d'ailleurs, je trouve, du jeu. Ah, c'est bon, ils ont brisé les sombres traits. Le fait d'être en bataille normale, ça va quand même aider. Ça va quand même aider beaucoup. Parce que bon, le défi est de taille, hein, pas déconner. Est-ce que c'est ok les sombres traits? Bon, y a plus qu'à les briser. Hein. Une petite charge de cavalerie fera le taf. J'ai pas mis extreme unit size parce que les batailles... En fait, j'ai pas mis extreme unit size simplement parce que avec un défi comme celui-là, il va y avoir énormément d'armées en face. Donc on va avoir beaucoup de batailles avec beaucoup d'armées. Et s'il y a extreme unit size, si les unités sont x2, ça va être un bordel infini. Les batailles vont être très très longues alors qu'on va devoir en enchaîner pas mal. J'ai préféré rester en normal, mais sachant que bon, on va avoir beaucoup d'armées. Et même moi, je vais être favorisé pour avoir beaucoup d'armées vu qu'il y a le mode no supply lines. Donc bon, on va quand même avoir du monde. Il va quand même y avoir des bonnes grosses batailles. Des bonnes grosses batailles. Oui, d'ailleurs, parlant de ça... Hop, j'avais oublié ça. Bah c'est bon. Je vais redécouvrir un petit peu certaines choses, moi d'ailleurs, dans les Elfes, parce qu'encore une fois, j'ai pas du tout testé ça en Immortal Empire. La transdante, commandement plus 16 pour les miens et moins 16 pour l'adversaire. Ça peut être pas mal pour aider à briser une ligne, surtout avec le mode de bataille normal, comme ils ont pas de boost d'IA. Alors là, on va aller chercher... garde maritime, machin. Lancier, ranger, archer. Là, c'est les balistes. Voilà, on va aller chercher le bonus pour les archers qui sont la source de DPS qualitative de début de campagne. On va prendre... Ah oui, il y a bouclier de Saferie. Bouclier de Saferie qui donne plus 10% de résistance aux dégâts, donc de résistance ultime à chaque fois qu'elle jette un sort pendant 9 secondes. J'aime bien. Donc elles ont quoi, la maître d'armes? Attaque plus 4, puissance plus 4. Puissance des armes augmentée, plus 10% contre les elfes noirs. Là, il va y avoir guerrier du chaos, démon du chaos, Norska, dadada, tout ça, ça va être important. Là, ça augmente la défense, l'attaque. Attaque dévastatrice. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonus contre les unités larges, plus 10. Portée, plus 15%. Puissance des tirs, plus 10%. Réduction du temps de rechargement, 15%. Ça augmente pas mal ses dégâts. On peut en faire un sniper quand même de ce personnage-là. Mais enfin bon, dès qu'il y a un truc avec beaucoup de PV en face, c'est quand même dur. Elle est à 230 de dégâts de base, hein, c'est quand même pas énorme. Capacité passive, précision de faucon pour les archers, garde maritime, guerrier des ombres.
Projectile perforant plus 15%. Ça donne une capacité passive précision de faucon pour les archers gardes maritimes. Enfin, tout ce qui tire, quoi. Ah, et les sorts d'Avalorn. Projectile perforant plus 15%. Activé si aucune présence ennemie à portée de la capacité. À 70 mètres. Ah oui, je me souviens de ça. Ok, je me souviens de ce bonus de 70 mètres. Sinon, il y a entravé hein, qui est très bien aussi. Hein. Oh oui. Oh non, mais c'est encore mieux en fait. Alors entravé, c'est non seulement le filet, hein, déplacement impossible pour l'unité adverse qui est ciblée. Et en plus, vulnérabilité au feu, 20% déplacement impossible. Donc, combiné avec des sorts d'Avalorn, ça c'est vénère. C'est très 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 vénère ça. Hein. 20% de dégâts supplémentaires sur des sorts d'Avalorn et sur une cible immobile qui plus est. Autant dire qu'on choisit une unité et on dit celle-là, elle est morte. Et c'est ce qui se passe. Y compris un monstre ou un truc comme ça. Hein. Donc c'est vrai que... Elle peut avoir gardien en plus. Donc augmenter la résistance physique de 15% d'un personnage à côté. Enfin des personnages à côté. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ça, ce sera pour plus tard. Bon, bah là, on n'a pas énormément le choix. À l'Ariel, elle a pas eu son... Ah ça c'est con, donc elle commence avec ça, avec son bâton. Portée d'Avalorn, risque d'échec moins 100% pour les sorts et rechargement de puissance plus 160%. Ouais d'accord, mais donc vu que le parchemin d'ambre, bah c'est aussi un bâton. Eh ben c'est non. Alors on pourrait prendre quelques dryades et ensuite archers. Parce que c'est vrai que les dryades ça cogne bien avec une ligne de lancier pour pouvoir tanker et essuyer les projectiles. Moyen de faire des combos sympatoches de début de campagne. Ça sera utile contre les aspirants champions du chaos full technologie. Non mais non, c'est Enkari qui va être le défi de cette campagne. Puisque comme l'invasion est en x4. Ouais, on va juste regarder un petit peu qui s'entend avec qui. Alors il y a pas mal d'elfes noirs quand même sur place. Alors Tyrion, c'est sûr qu'on va bien s'entendre avec lui. Je sais comment il faut le prendre. Mais ça va le faire. Donc lui c'est ok. Bon lui évidemment on veut qu'il soit là, on veut qu'il soit fort. Merci Just Momo pour le raid. Bienvenue. Et merci Weirmore pour les 20 mois. Xenart, merci pour les 6 mois aussi. Et Denazir, merci pour l'année. Pim 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 pim. Speak. Elirion, c'est pas lui qui est... Pouah, ils s'entendent pas... Mais en fait, il y a tellement d'elfes noirs et tout, plus les démons, plus Grom de l'autre côté, ça fait quand même pas mal de monde qui... Ah, lui, il est en guerre contre... Ok, il est en guerre contre Tyrannoc. I serve the king. Et lui, il commerce avec Tyrannoc. Ah ouais, ouais, attention, 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 attention. Je me demande si eux, c'est pas plutôt safe. Voilà, il y a rien évidemment. Accord commercial en fait, je pourrais juste avoir Elirion, mais Elirion est en guerre contre Tyrannoc. Est-ce que Elirion s'entend bien avec Tyrion? Ouais, plutôt ouais. En fait, c'est Tyrannoc le vilain petit canard, c'est ça. Donc Elirion, c'est ok ça. Voilà, et à chaque fois, ça me donne la vision sur son territoire, mécanique des hauts elfes. Dès qu'on commerce avec une faction, pouf, on a la visibilité sur leur territoire. C'est pour cette raison que quand vous jouez une autre faction que les hauts elfes, négocier avec les hauts elfes des accords commerciaux, c'est hyper facile, ils disent toujours oui. Parce que ça leur permet de vous espionner. Bien, 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 bien. Bon, pour le reste, on va pas... Ça m'en a débloqué un autre? Ça m'a donné la vue sur un autre ou pas? Pas vraiment. Ok, on va attendre. On va passer le tour. Mais bon. Ils vont tous mourir avant l'invasion, les copains Wolf. Je sais pas, mais je sais pas, j'ai vraiment jamais fait... Ne me spoilez pas, ne me spoilez pas. J'ai jamais fait de campagne aux elfes sur Total War Warhammer 3, donc là je découvre. En plus ça fait longtemps que j'ai pas joué les aux elfes, donc je les redécouvre sur Total War Warhammer 3. Le zizir. Et clairement ça a l'air plus tendu Ultuant sur Total War Warhammer 3 sur Immortal Empire, bah... Il y a déjà plus de monde en Ultuant quoi, évidemment. Ah ça y est, regardez, les gens sont heureux.
On va aller à la daube éternelle tout de suite. On va pas laisser respirer les elfes noirs. Ok, faudra avoir pas trop de pertes parce qu'il y a une autre armée qui est prête à débarquer. Oh, avoir les portes, par contre, ça va pas être évident. Ok, elle, je suppose qu'elle a pas grand chose comme sort. Oh, elle a la nuée. Ouais, ça c'est du dégât gratuit. Perte faible, oui, mon œil. Bon, ça va, il y a que des unités. Il y a deux sombres traits, cela dit. Perte faible, mon œil. Je vais pas prendre le risque. L'île est simple à défendre de base normalement. Non mais ici avec le mode qui fait que l'invasion... En fait on a une invasion démoniaque, donc Enkari est une invasion. Et il est multiplié par 4, non pas par 2. Le maximum qu'on peut avoir c'est 200% d'invasion en temps normal en Vanilla. Et là c'est 400%. Ce ne sera donc point la même mayonnaise. Et on va se placer un petit peu comme ça. Toi, vas-y, va. On va voir si on peut la sniper. C'est une sorcière, à mon avis. Elle devrait prendre tarif avec les projectiles. Et là, ils vont foncer sur mes troupes ici. Et ils seront pris en tenaille entre mes cavaliers et les murs et mes dryades. Plus 400%, c'est du x5. Alors, c'est pas plus 400%, c'est 400%. C'est mettre le mode à... Au lieu de le mettre à 100%, je le mets à 400. Ça s'additionne pas. Hein. De base, en fait, on peut choisir entre 100%, on peut le baisser, on peut aller en dessous. On peut mettre du 50% si on veut ou quoi. Mais on peut également mettre 200% si on veut. Ouais, mais les projectiles sur une cible cette taille, ça va pas être évident. Ah, par contre, ceux-là seront vite... menacée. Est-ce qu'elle va automatiquement au moins cibler la meilleure cible qu'elle est en face, c'est-à-dire la sorcière? C'est elle hein, la meilleure cible. Hein. J'espère que t'es au courant. C'est absolument quand tu veux, hein, sinon. Allez, c'est parti! Oh non, elle tire derrière! Mais attends, elle a... Si, elle a le tir en mouvement. Bah oui, elle a le tir en mouvement. Ok, les patrouilleurs qui sont en train de débouler. Bon, tu sais quoi? Vas-y. Vas-y, au corps à corps. Voilà, là, ça devrait aller. Hein. C'est une sorcière, c'est une chips, hein. Oh, le pilonnage des sœurs d'Avalorn, là. Brrru. Les murs... Enfin, oui, non, c'est brisé, ça. Oui, c'est brisé. Sœurs d'Avalorn qui peuvent devenir quand même une source de DPS absolument folle. Elle a foiré son sort. Attention. Mais elle la loupe. Oh là là, mais où est-ce que t'as appris à tirer? Cherche pas, j'ai ma réponse.
Le Doomstack Sword of Land. Alors, on ne pourra pas faire de Doomstack Sword of Land. C'est bien ça tout le trick. En fait, il va y avoir plusieurs choses avec cette campagne qui vont faire que c'est vraiment un défi d'une difficulté assez élevée. C'est pas mal de sel. j'ai Tabletop Caps, donc je ne vais pas pouvoir spammer les Sword of Land. Pas pouvoir. Il y a l'invasion x4. Et l'invasion n'est pas concernée par Tabletop Caps, a priori. Il n'y a pas le mode qui fait que les invasions... Il y a un sub-mode qui peut générer le même effet pour les invasions, mais il n'est pas mis. Donc eux, ils seront peinards. Donc oui, ça va piquer. Hein. Val de Gaon. On va faire ça pour le commerce, c'est indispensable, vu que le commerce, ça va se développer très vite. Donc là, je suis à quoi? Plus 1900. On va très vite recruter pour avoir une deuxième armée. Hein. Plus 5 d'attaque. Plus de commandement. C'est pas plus de puissance à distance. Ça, c'est vraiment que la puissance au corps à corps. Ah, ça y est, elle est sur coursier. Très bien. Merci, consanguin bilatéral, pour les 31 mois. Full démon tier 5. Il y a de tout dans les invasions après, il n'y a pas que du full, hein, mais vitesse plus 10%, défense plus 3. Ah bah oui, voilà. Vendu. Vendu. Alors, don de vie, ça rend de la vie à toutes les unités sur la map à chaque fois qu'on jette un sort. Hein. Ça, je vais quand même prendre. Alors ça, hors de question de ne pas pouvoir recruter ce tour-ci. Et là, on va prendre deux. Non, pas deux. Un lancier, un archer. Oh, j'ai pris les archers à armure légère. Idiot. Ça ne sert à rien. Une des capacités les plus inutiles. Enfin, une des modifications de statistiques les plus inutiles. En vrai, ça c'était vraiment à la sortie de Total War Warhammer 2 quand les Elfes sont arrivés. Tu sentais que c'était le truc où ils voulaient dire... Regardez, il y a deux unités d'archers de base, incroyable. La différence entre les deux. 15 d'armure, c'est tout pour des archers. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah bon, à la limite, vous pourriez l'enlever, hein, maintenant. Croissance plus 20, recrutement plus 1, capacité de recrutement local plus 1. Là, ça peut m'intéresser. On peut avoir la croissance, le revenu du commerce, mais c'est pas encore intéressant. Portée de déplacement, moins 10% pour les armées ennemies. Chance de succès d'une embuscade, plus 10%. Chance d'intercepter une armée, non. On va prendre le recrutement. Pour l'instant. C'est l'été, l'armure, c'est superflu. Voilà, tout le monde à poil, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Merci Célesta pour les 2 mois. Isha is with me. C'est une option de l'équipement dans le jeu de plateau. Ah, ceci explique peut-être cela. Bah, n'empêche que c'est vrai que, bon, ça vaut pas le coup, hein, les archers à armure légère, parce que bon... Ils ont une portée de fou, donc en théorie, ils vont pas être trop gênés par les tireurs adverses. Et normalement, s'ils sont pris au corps à corps, ils vont à peine mieux tanker, vraiment à peine. Et de toute façon, des archers ou elfes pris au corps à corps, c'est que la game est quasiment pliée. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est que ça n'arrive pas. Protection de face, c'est plus 30 d'armure, plus 24 de défense. Quand même un excellent sort de tanking, hein, ça. Alors, comment on complète l'armée? Donc, Sword of Land, c'est un point de rare. Ok, donc maximum... Ah ouais, c'est rare en plus. Donc c'est un point. Donc si je mets 5 Sœurs d'Avelorn dans une armée, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'homarbre. Ah mais non, à l'Ariel, elle a des trucs particuliers. Je crois que les homarbres coûtent que des points de spéciaux ou des trucs comme ça. On va continuer en ce sens. Voilà, pour l'instant, on va continuer de recruter. Est-ce qu'il y en a qui... Elirion voudrait bien un pacte de non-agression, pourquoi pas? Tu t'entends bien avec Tyrion, hein, on est d'accord.
toujours en guerre contre Tyranok. Alors, Shras, oui. Hein. Voilà, c'est un petit peu de revenu au début, mais bon, c'est du revenu supplémentaire. Mais surtout, comme ça m'ouvre la vue là-bas, ça pourrait me donner la vue sur la Bretonnie et donc ouvrir des portes commerciales, n'est-ce pas? Tyranok, du coup, non. Calédor, je vais pas m'emmerder. Ah, Eltarion Sama, ça c'est oui. Ouais. Alaria, speak. Eltarion Sama, ça c'est oui. Il est neutre par rapport à Tyrion et ça s'améliore, très bien. Bon, je peux pas recruter plus vite, mais j'ai de la thune, donc on va peut-être balancer ça. Non, c'est pas la peine, de toute façon, au prochain tour, ce sera réglé. Donc ok. Ok, ok. De toute façon, on connaît la relation entre Alary et les Tyrion. Ouais, ouais, il y a suffisamment de mèmes sur Internet, hein. Donc là, j'ai le bonus qui se cumule, puisqu'Alariel a fait le tour des trois villes. Tout le monde est en liesse. Autorité, l'autorité maximale. La croissance est incroyable. L'influence. Ah oui, l'influence. Influence, j'ai 12 d'influence pour l'instant, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme rite qui pourrait m'intéresser? Influence plus 2 par tour, autorité plus 4. Coût de construction moins 15% pour les bâtiments. Là, on a immunisé à l'usure, taux de reconstitution plus 8%, corruption moins 10. Capacité passive, régène pour les dryades, les lémures et les hommes-arbres. Ah ouais. Et là, on a flèche canalisatrice pour augmenter la rechargement de puissance. Les elfes qui sont d'excellents mages aussi, hein, quand même, dans le jeu. Temps de repos moins 30% pour tous les sorts. Chance de trouver des objets magiques, 50%. Et là, un dilemme offrirait un puissant objet magique. Coût de recrutement, moins 10% pour les maîtres et pays de Hoët, les lions blancs, les gardes phénix, les princes dragons. Rang recrutement, plus 2 pour les maîtres et pays, les lions blancs. Voilà. Capacité d'armée, marteau de vol pendant les batailles de siège. Alors ça, c'est fort. Ça casse les murs. C'est très bien pour assiéger une ville. Armure plus 5 pour les maîtres et pays de Hoët. Impossible d'accomplir ce rite, sera disponible après avoir recherché 3 technologies. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il faut pour passer là? Faut 2 de surplus. Ok, je les ai pas. Il va falloir augmenter la croissance encore. Hein. Servant of light. Voilà, encore une dryade. Et 2 archers, ça me semble pas trop mal. Ça encaissera très très bien au niveau financier. Faudra même recruter encore derrière. Va falloir assiéger la porte du phénix sans perdre de temps. Mais bon, encore une fois, pour que le défi soit présent, faut pas que Enkari meure, parce que je pense que sinon l'invasion n'apparaîtra jamais. Et ce serait quand même très très dommage. Le v'là Enkari. Donc on fera ce qu'il faut pour être défensif par rapport à lui, mais ne pas le tuer avant le tour 50, quoi. Bon là, je doute que ce soit jouable. Il y a 8 unités en garnison, plus 8. Ouais. Oh, les sombres retraits mettent cher, quoi. Merci Dekmir pour les 23 mois. Merci à Fromage de Bite également pour les 25 mois. Pathos, merci pour les 2 mois. Ouais, on pourrait assiéger pour les faire sortir, mais j'ai surtout peur qu'ils reçoivent un renfort d'une autre armée. Bon, on va assiéger. Pour l'instant, j'ai le temps, de toute façon, actuellement. La porte ne m'apportera rien. Ah oui, par contre, les bonus que j'ai par rapport à tout ça... Attendez, l'autorité, ça me donne... Bâtiment 13. Ah, ça, c'est considéré comme un bâtiment, à mon avis. Et là, autorité moins 4, secours. Hein. Non, mais la porte, ça va rien me rapporter. Pas de thunes, rien. C'est du contrôle territorial. Alors, certes, c'est déjà bien, mais... Par contre, ça pourrait... Oh! Ah oui, j'allais dire l'épée de Kane, mais l'épée de Kane...
Et si c'est Enkari qui la prend? Et si c'est Enkari qui prend l'épée de Kane? Qu'est-ce qu'on fait? Au secours. Merci Launch pour les 20 mois. Ça fait très longtemps, mais heureux d'être de retour. Bien revenu. Ah! Ah! Ok. Ils ne sortent pas. Bon, bah alors ils vont prendre de l'attrition. Hein. Moi, ça me gêne pas. Prochain tour, je pourrais passer ça au niveau 3. Ça, au niveau 2, ça donne quoi? Des gardes maritimes, oui. Qu'est-ce que je veux? Les sœurs d'Avelorn. Sœurs d'Avelorn, c'est du niveau 3. C'est du, mais je préférerais presque les avoir à Val-de-Gand. Que ce soit safe, quoi. Il y a ce bâtiment-là, autorité plus 10, croissance plus 5 dans toute la faction, rang de seigneur recruté plus 1, taux de reconstitution plus 10%, corruption dans les provinces adjacentes moins 2, corruption moins 5, coût de recrutement moins 10% pour les armées dans la région. C'est pas mal de bonus, hein. Et comme garnison, 2 hommes arbres et 1 dragon solaire. Nice. Croissance plus 10, corruption moins 6, entretien moins 10% pour les esprits sylvains. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Hommes arbres, c'est quand même bien. Merci Ragnar pour les 11 mois. Et Shadow Potable, merci pour les 23 mois. Est-ce que j'ai intérêt à attendre le niveau 3 pour Val-de-Gand et directement partir sur Sœur d'Avelorn? Ça va pas nécessairement m'être utile tout de suite. Oui, on va faire ça. Les balistes ici, vitesse plus 5% pour les lanciers, les archers, tout ça. Ça buff les lions blancs et les aigles. Ah, le mur de lance, oui, ça on va prendre. Et rang au recrutement pour les archers et les lanciers. Allez. Ok. I bid you welcome. What do you wish to discuss? Oui, bien sûr. Ah bah il est déjà ok pour une alliance. Oui, les sœurs d'Avelorn sont moins sont plus rapides à obtenir avec Alariel qu'avec d'autres factions. C'est une des raisons pour lesquelles cette faction est très forte, parce qu'elle peut avoir les sœurs d'Avelorn plus tôt, qui elles-mêmes sont une faction, une unité extrêmement puissante. Donc Alariel est très très forte, notamment à cause de ça. Mais ici, encore une fois, avec Tabletop Cap, c'est un avantage qui est aussi qui a ses limites, puisque on ne peut quand même en avoir que 5 par armée. Bim, influence moins 10, relations diplomatiques plus 10 avec Elirion. Je peux aussi avoir une prêtresse d'Isha immunisée à l'usure. Immunisée à l'usure, ah oui, plus d'usure. Portée de déplacement moins 10% par contre. Ah, portée de déplacement moins 10%, il fait mal. Hein. Ouais, il fait très mal. Hein. Alors sinon je peux dépenser de l'argent pour avoir un peu plus d'influence qui pourrait nous être utile pour confédérer plus vite. Et c'est que 750 alors que de la thune j'en ai déjà, donc oui je vais faire ça. Je vais faire ça. On va avoir on aura plein d'influence comme ça dès qu'il faudra entamer des négociations musclées. On en aura. 5900, ok. Bon là honnêtement... Hein. Ouais ça passe. Allez. Il se régène vite. Ok, la porte du phénix est à moi. Pour l'instant, is ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Tempête. Ouais, tempête, c'est uniquement pour les unités volantes. Exorcisme. Commandement plus 4. Immunisé à la psychologie. Catharsis, c'est du dégât direct mono-cible. Il peut être bien. Le bannissement, oui. Il n'a pas été revu, hein, le bannissement, dans les dernières mises à jour. C'est pas comme le vortex de feu qui se déplace moins vite et tout. Lui, il est toujours... il est toujours très... Hein? Merci Another Mr. Green pour les 25 mois. Il est toujours... il est toujours glissant, lui. Hein. Peut-être pas nécessairement le truc le plus fou auquel j'ai envie d'arriver. Pas forcément. Alors par contre, le bouclier, on va prendre. Après, ça fait du dégât, hein, le bannissement. Donc je le récupère au niveau 1. Bon, va falloir essayer de le garder. Hein. Hop.
Alors, on va mettre croissance. Et là, c'est comme avec l'Empire, quand on a l'école, les forts. Il faut essayer de le garder, ne pas le perdre pour que ça puisse se développer. Parce qu'une fois que c'est au niveau max, bah c'est quand même solide. Mais bon. Il fait très bien le bannissement, je trouve. Ouais, hein. Des années de pratique. commerce avec Eltarion. Ouais, ça roule. Ah, j'espère que Enkari va pas mourir face aux elfes. Mais comme je joue à l'Ariel et que Enkari est un antagoniste, normalement, il devrait être solide, il devrait se défendre. On va pas trop l'attaquer au début. Alors par contre, si je le vois s'étendre très fort dès le départ, là, on se permettra de lui mettre une petite tatane. Je pourrais aller jusqu'à Torrent Lake, hein. Alors là, on va commencer à recruter directement une armée de défense. La thune nous le permet. On va prendre une archimage, effectivement, de feu. Parce qu'on aime ça. Une incompétente, bah voilà. Ah oui! On peut acheter des seigneurs plus chers qui coûtent de l'influence, mais qui ont des avantages bien plus intéressants. Sinon, ils ont des malus, souvent. Vitesse, plus 10%. Portée de ciblage, plus 10% pour les sorts et risque d'échec initiaux, moins 10%. Oh, c'est bien aussi, ça. Bah, c'est mieux que la vitesse. Allez. Les rangers. Les rangers et les dryades se partagent un peu le rôle de... d'unité d'assaut. Quand même assez proche, hein, pour ça. Et encore, les dryades, elles sont immunisées à la psychologie et tout. En termes de dégâts, elles sont quand même assez sérieuses. Donc je crois que quand on a les dryades, on va pas prendre les rangers. Hein. Un peu moins cher en plus. Dégâts magiques en plus les dryades. C'est vrai. Donc pas de résistance physique en face. Et... Non, c'est pas mal du tout les dryades en début de campagne. Ah, Merci Binoum pour les 21 mois, tiers 2. Merci beaucoup. Je vais passer pour un Newari pour certains, mais... Allez, défonce la gueule de ces démons. C'est le projet. You have my undivided attention. Pacte de non-agression. En guerre contre Tyrannok. Bah oui, je commerce avec lui. Allez, d'accord. Comment ça se passe? Ça a l'air de rouler pour eux, hein. Déjà en alliance avec Tyrion, n'empêche, ça a été vite. Cotique détruite, ok. Ah ouais. Radiant. Ah oui, Torrent Lake, voilà quoi. Il y a 10 unités en garnison, 12 là. Oui, on attaque, hein. Je peux les attaquer à l'extérieur en plus. Alors, voyons un petit peu. Oh, il y a une unité d'ombre. Ouf. Ah, si. Ouais, la vache, s'il y a une unité d'ombre là-dedans. Alors, soit c'est... Ouais, c'est une unité de début de campagne qui était injectée dedans, ça, à mon avis. Parce que c'est énervé, ça. Je pense pas qu'ils soient déjà capables de les recruter. Encore que... Bon, en tout cas, on va la faire. Et falloir la faire correctement. Et mardi. Ah oui, c'est vrai, c'est tier 2, les premières ombres. Oh, c'est tellement peu cher par rapport à leur force. Oui, mais là, il y a une unité toute seule, donc c'est pas dit qu'ils soient en train de les recruter déjà. J'ai plus l'impression que c'est une unité de début de campagne qui est injectée dans l'armée. Enfin, je sais pas. Alors... Ce qui est fort aussi, c'est que les dryades et les lémures et tout ont le déploiement d'avant-garde, quoi.
Et ça, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Par contre, faudrait presque que j'attaque directement. Mais ils vont être dans la forêt et s'ils reculent un petit peu, je vais être un peu dans la merde. Parce que les poursuivre dans la forêt avec mes archers, c'est pas possible. On va s'avancer et voir ce qu'ils font. Mais s'ils reculent, je reviendrai sur mes pas. Allez, vas-y, avance. Alariel n'a aucun... Non, aucun sort offensif, malheureusement. Elle a déjà fait des dégâts, là. 3 kills sur un seul tir. Pas si mal. Ouais, après sa vitesse de rechargement est plutôt légère. Oh, trouver les ombres. J'ai trouvé les ombres. Alors là, clairement, on peut les engager, hein. Reste en mouvement. On va laisser la cavalerie là-bas, mais je vais venir me placer ici pour commencer à les harceler à distance. Et les dryades et les lémures vont venir les percuter de flanc, enfin leur flanc qui va être leur face en fait. Et là ils sont en train de se positionner pour faire face à ma truc. Avancez-vous encore un petit peu. Ouais. On a beaucoup d'archers qui se mettent en route, mais ils sont un petit peu dans la forêt, c'est gênant. Ah. Ils ont l'air de se pointer. Ça, c'est parfait, parce que mes dryades vont vraiment arriver pile poil au bon moment. Ok, leurs renforts sont en train d'arriver. Aïe, qui est-ce qui fait mal comme ça? Ils arrivent, mais ça va leur prendre un petit peu de temps. Ok. On fait disparaître les ombres. Enfin, on leur met au moins une petite salve ou deux avant que les dryades arrivent, en tout cas. C'est eux qui font mal comme ça. Ah merde, il y en a encore qui arrivent. Ici. Ok, on va faire progresser les lanciers de ce côté. Faut pas le lâcher lui, hein. Quoique, si, lâchez-le en fait. Allez, continue à progresser par ici. On va replier nos troupes sur leur flanc. Ouah la vache, faut se placer, hein. C'est loin d'être fini, hein. Voilà, coucou. Ça va être compliqué l'engagement comme ça. Ça va être très compliqué. Va falloir se replacer. Faut ressortir un petit peu. Planquez-vous dans la forêt, vous. Là ça recule. Faut opérer un mouvement de repositionnement.
Ok, même, même les dryades. Hein. Petit mouvement. Et la cave qui doit se tenir prête à intervenir. Toi, tu peux y aller. Les dryades, vous pouvez venir ici. Ou plutôt là, hein, pour se repréparer à faire un truc de flanc. Et reculez, vous autres. Ok, la suite arrive. Oh, les munitions. Ok, rebasculer de ce côté. Allez, faut les engager. Des sombres traits parfaits, ça ce sera leur travail. Ouah! Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Le sandwich, le sandwich. Le tir de flanc ici. On est pas mal. Ok. On est pas mal, beaucoup de tireurs neutralisés chez eux. Allez, finissez-en avec cette unité qu'on puisse passer à la suite. Ouais, ok, ok, ok. Là, on a un joli... une vue correcte. Non, reculez. S'ils ont plus de munitions, ils y vont pas. Détruisez cette unité. C'est cadeau. Il y a des trucs là-dedans? Ouais. Ah, encore des sombres traits. Très, très bien. Repositionnez-vous un petit peu pour donner une fenêtre de tir à ces deux-là. Ah merde. Plus de mune pour l'un des deux. Ils tiennent ceux-là. Hein. Voilà, l'Ariel tank très bien avec le soin. Là, elle prend un petit peu cher quand même. On va mettre ça. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est nice. Qu'est-ce que j'aime bien jouer avec des archers comme ça et des lanciers, des unités d'assaut qui se coordonnent pour faire quelque chose de propre. C'est si beau. Surtout quand il y a une armée en face qui est constituée à peu près pareil. C'est-à-dire du tir, des unités défensives, des unités de contournement, il y a un peu de tout. Merci Kilalzerg pour les 4 mois. Itrim, merci aussi pour le Prime. Pierre Drr, merci pour le Prime aussi, bienvenue. Influence plus 1 par tour pendant 5 tours. Armée reconstituée de 9%. 9% c'est beaucoup. Trésorerie dont j'ai pas forcément énormément besoin pour l'instant. Allez, je vais prendre la reconstitution. Ce sera plus facile de prendre Thoranlec sans avoir trop de problèmes. Et ça me fera une place forte déjà à cet endroit là. Ce qui est pas mal. Alors par contre c'est de l'orange. C'est vrai que c'est de l'orange hein. C'est les elfes noirs, ils ont tout souillé. Ils ont fait pipi partout. Capacité passive, bannière d'Avelorn, augmentation des vents. Rechargement de puissance, plus 20%. Ah ouais. En zone, ah bon. Et ben voilà, bim. Bon par contre, Thoranlec, ouais.
Pas foufou non plus, quoi. À cause du fait que ce soit machin. Changement de réserve de vente de magie, plus 15% en augmentation. Risque initiaux d'échec, moins 15%. Oui. Sortilège 10 chats, résistance ultime 10%. Ouais, surtout quand elle sera sur règle, hein, parce qu'elle peut être sur règle. Elle, Ariel, là, elle tank de fou, elle est bien. Merci Scott Bakula pour les 33 mois et Asmodan pour les 33 mois aussi. Campagne du Zizir qui s'annonce. On va prendre Bénédiction. Ah bah, je peux prendre les deux, vas-y, je vais prendre les deux. On va sécuriser les capacités d'Alariel à résister. Tiens, d'ailleurs, elle peut avoir pendentif trompeur, risque initio d'échec, plus 100% en zone. Ouais, non, ça, c'est pas du tout intéressant. Je préfère avoir celui de... qui diminue le commandement ennemi et qui augmente le commandement allié. Je trouve fort bien. J'ai 25 d'influence. Faut toujours avoir de l'influence, hein. Important, hein. La daube éternelle ou le truc... on va faire torse à roi pour l'instant. Je voudrais bien upgrader le bâtiment de production de bois. Ok, j'ai pas vu sur... des bretoniens, des trucs comme ça, non? Non, personne. Guardian of the Phoenix Crown. Oh, faudrait que j'envoie un agent diplomatique pour commencer le commerce en Bretonie. J'ai vu le nouveau RTS Edge of Sigmar. J'ai vu, oui. Ben, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore... bon, ils montrent... ils ont pas montré grand-chose encore pour l'instant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le moteur est plutôt, a l'air plutôt sympa visuellement. Le jeu a l'air très beau. Tyrannoc, ouais, mais c'est ceux qui sont en guerre contre d'autres, je veux dire non, ça. Ça s'approche d'un Dawn of War à première vue. En termes de gameplay, ça a l'air de se rapprocher d'un Dawn of War, oui. Gagner talisman, défense plus 10, résistance ultime 5%, capacité passive, pierre de bouclier 10 chats, résistance physique plus 10%. Ah, en zone. Oh, à 35 mètres. Tous les alliés à portée de... d'Alariel auront 15% de résistance physique. C'est beau, ça. C'était quoi la quête? Capturer la porte du phénix. Ben voilà, hein. Donc j'ai gagné 30 d'influence, 5000 balles, 10% de reconstitution et le bouclier. Voilà. Bah, avec plaisir, hein. Moi, si vous avez besoin d'un truc, vous le dites, hein. Un mot, un geste, Alariel fait le reste. Ah, oh, oui, la thune. Voilà, très bien, ça se développe tout ça. Poste avancé disponible. Alors, ce qu'il va falloir également, ce sont des archers pour avoir une armée de défense supplémentaire. Mais si c'était 501 pour les 23 mois, si Shockwave pour les 11 mois. Do not attempt to lie to me. I will know. Traité de paix, non. Non, non. Alors, Ariel, je sais pas ce qu'elle va faire. Je serais tenté de la faire partir vers l'ouest et descendre. Enfin, vers la partie ouest d'Ultuan à l'extérieur, là où il y a encore des hauts elfes et tout. Ah, mais non. J'allais dire des elfes noirs. Bon, il y a encore là, quoi. Tordranil. Mais ça me laisserait... ouais. Ça me laisserait... ça laisserait Enkari tranquille. Bon, pff, cela dit, le but, c'est qu'il survive jusqu'au tour 50. Oh, on va y être si vite au tour 50, en vrai. Oh, la vache. 3000, 2000... Ok. Allez, go, hôtel de Kane. Petite armée, c'est bon. Ça pose pas de soucis.
C'est quoi le bonus de 7 d'Alariel? Le bonus de 7 dans ses items? Ça lui donne autorité plus 1 à toutes les provinces. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et résistance ultime 5%. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ok, ça va se faire. Hein. 13 unités plus 2, à mon avis, même... Ouais, perte faible. 2200 de récompense, c'est bien. Presque tenté de piller et occuper histoire de faire un peu... Non, non, allez, c'est bon, j'occupe. Si c'est niveau 1, ce sera vraiment... j'aurais fait ça pour rien. J'ai pas fait ça pour rien, c'est beau. Je peux recruter un aigle. Je peux recruter des aigles. Cela dit, les aigles... Mais... Les aigles, à quoi ils vont servir honnêtement? Aigles, c'est... Ouais, ça va. Toujours eu du mal d'utiliser les aigles. Je vais prendre le catharsis magique pour l'instant, pour le mono-cible. Aigles, Osef des aigles, oui c'est... Aigles, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient incroyables. Pas facile à utiliser correctement. Ils sont nuls pour nettoyer les tireurs. En fait, ils sont bons à peu près pour nettoyer les cibles uniques, mais et encore, faut pas qu'elles soient trop solides. C'est trop lent, quoi. Trop lent, trop lent. Là, j'ai de quoi faire. Hop. On pourrait encore en faire un, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voudra, ici? Éventuellement... Est-ce que je veux ça? Avancée militaire 2... Hein. Ah oui, ça déverrouille des technologies. Revenu par les bâtiments de divertissement. Et bâtiments de divertissement, c'est ça. Place. Non, je vais pas prendre ça. Ça, c'est quoi encore? Revenu des ports, plus 10% dans la province locale. Sachant que j'en ai... Attends, c'est... Non, c'est pas un port, ça. Entrée des racines du monde. Et ça, c'est pas un port. Repère d'Avalon. Non, c'est pas un port. Et la ville n'est pas considérée comme un port. Il y en a juste un ici. Oui, c'est moins intéressant qu'à d'autres endroits. Le bâtiment de défense, c'est sûr qu'il me le faut. Ah, je dirais que quand même, garde Phoenix et ce genre de truc. Mais bon, on verra ça pour peut-être plus tard. Je vais garder cette armée-ci pour l'instant. Bah, va à la porte du phénix. Ah oui, non, faut maintenir l'ordre public. Pour ne pas que la croissance baisse. Les aigles, c'est pas l'équivalent des balistes chez les nains. Oula, non! Non, 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 les aigles servent quand même à quelque chose comparativement. Les balistes nains, c'est vraiment... même comme décapsuleur, tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas. C'est... Non, non. Les balistes naines, c'est hors concours, c'est hors contexte. C'est pas une unité militaire, les balistes. C'est ça le problème, en fait. On peut même pas la considérer comme telle. C'est la bière qui casse la baliste. Mais il y a air. On va faire le bois, ici. Voilà, tu tunes. C'est du folklore, c'est ça. Thornleck, ça se refait? Ouais, un petit peu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là, ça va pas être facile de descendre jusqu'à Tordranil s'il y a l'autre là qui... Ouais. En fait, faudrait quand même que je vienne défendre l'hôtel de Kane éventuellement avec cette armée-là. Pas trop rester statique, quoi. Non, on va pas pouvoir sortir là maintenant. Erf. Est-ce que éventuellement on peut passer un truc ordre public? Droit de douane? Non. Sinon, il y a un truc ici, autorité plus 4, mais bon. Faudrait que je le fasse. Quand même. Que je ramène cette armée pour défendre l'hôtel de Kane. J'ai pas envie de le perdre comme ça.
Bon allez, j'attends encore quand même un tour. J'aimerais qu'ils se barrent en fait, les elfes noirs qui sont là. Parce que là, on dirait qu'ils attendent. On dirait un chat qui rentre dans une pièce et qui s'assied au milieu et qui attend. Et tu te dis, toi, t'attends que je sorte pour chier quelque part. Regardez, il est prêt, il est prêt. Il attend juste qu'on détourne le regard. Noctilus se fait bien plaisir pendant ce temps-là. C'est vrai que ça commence à se peindre un peu en rose hein, de ce côté-là. Enkari, par contre, il bouge pas. Hein. Enkari, il a compris que cette campagne, c'était la sienne. Bon. Bon, on va aller le faire bouger, là, puisqu'il veut pas. Il est sur ma place de parking, là. C'est pas possible. On peut pas le laisser. Ça pour la thune. Ok, je suis à plus 1000. Justement, ça va se développer. Merci Gods 13 pour les 9 mois. Alitanar est aussi une sorte d'artillerie avec ses buffs. Alitanar... Oui, il tire des troncs d'arbres à la fin, c'est pas faux. Mieux qu'une balistonen, effectivement. Son arc est meilleur qu'une balistonen. Mais enfin bon, encore une fois, c'est une arme de guerre, c'est pas une arme d'apparat. En fait, voilà, c'est ça. La balistonen, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est une arme... Enfin, c'est un outil qu'ils utilisent uniquement pendant les parades, les défilés. Après, ils la remettent au garage, mais ils sont là en mode, c'était pour faire quelque chose de joli, on va pas vraiment faire la guerre avec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec ça? Balancez-leur des cure-dents, ça ira plus vite. Ah oui! Oh non, une brochette d'orque sauvage. Il a pas bougé l'autre? Ah d'accord, il sait pas où aller. Bon, bah, c'est pour un parade nuptial, la baliste nette. La parade nuptiale, évidemment. Couronne d'or d'Atrazar. Armure plus 2, effet de l'aura du personnage plus 5. Sur le commandement, taille de l'aura de commandement plus 25%, résistance ultime 8%. Pas mal. Mistress of the Undying Forest. Everqueen. Usure moins 10% due à l'usure d'orage. Magic in purest form. Bouf. Ok. Light of Avalon. Reviens à l'hôtel de Kane par contre, avant que ça se passe mal. On va prendre le bonus d'attaque pour elle. On est tour 15, hein. On va s'approcher très très vite. Ok, encore une fois, on va faire grimper le revenu. Peut-être que je devrais la daube éternelle. On va faire ça plutôt. Là, on en est où dans le commerce avec les trucs? Est-ce que j'exporte tout? Ouais. Tous les colifichets elfiques. Merci Kedon pour les 2 ans. Merci beaucoup. Tutube, on va s'arrêter là pour cette première session. Ça se passe bien. On en reparle dans 35 tours. Des bisous. À bientôt.